I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! You got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce Wrestle Rock Podcast. J'espère que ça va bien à la maison. Je suis Nostradaben et pour m'assister dans cette émission, Monsieur Johnny D. Hey, comment ça va, Ben? En forme? Hein? Ça va très bien. Aujourd'hui, on a. C'est un nom de famille assez populaire de la lutte au Québec qu'on a aujourd'hui, pareil. Yes! Hey, c'est vraiment cool. On a réussi à l'avoir avec tout son. Son background, tout ça, on est vraiment content. On sait qu'il est super occupé, puis il est occupé dans plein de projets, puis tout ça, puis on a réussi à avoir un peu de temps avec lui. De la dynastie, de la famille Leduc, mesdames et messieurs, Carl Excel Leduc, comment ça va, Carl? Hey, salut Ben, salut Jonathan, puis pour tous ceux qui me connaissent, et ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Carl Excel Leduc, la grandeur qui fait mal, le terroriste de la lutte au Québec. Yes! Hey, on est super content de t'avoir sur notre émission, Carl. Hey, ça fait longtemps. Merci pour l'invitation. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est parlé. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Hey, c'est vraiment cool. Ça fait, hey, on se connaît, nous, mais ça fait vraiment longtemps. Là. Moi, je me souviens, là, je te suivais dans le temps de l'FLQ au début. On parle de Rosemont-Cartier, ça veut dire Rosemont-Cartier. Oui. Après ça, je t'ai suivi à WF aussi. J'ai suivi ton père, ton oncle Joe, toute la famille. Kim, c'est un bout aussi qui était impliqué là-dedans, puis tout ça, tu sais. Ben, Kim, ça a été la première personne au Canada qui a parti, la première fédération toute féminine. Ben oui, c'est ça. La pis... ALF. Ben oui, on va en parler tantôt. Ça vaut vraiment la peine, honnêtement, qu'on prenne le temps de parler de toute la famille Leduc, mais là, on est justement avec Carl, puis Carl a un énorme background, il a une super de belle histoire à nous raconter. Carl, j'espère que ça va intéresser certains de tes... J'espère. Tout d'abord, vas-y mon Ben. Ouais, c'est une question toute simple concernant ton père. Comment qu'elle va sa santé à ton père, Carl? Ah ben merci de le demander. Mon père a 87 ans. Ouais. Mentalement, il a toute sa mémoire. Physiquement, il est encore là, mais il a eu beaucoup de problèmes de cœur, puis okay. Il a fait beaucoup d'ACV. Mais malgré tout, il s'en sort très bien. Il est en résidence privée. Il ne voulait pas venir habiter à la maison. Il aimait mieux être en résidence, être entouré du monde. Puis encore à son âge, il met sa petite sucre à pompons quand il se promène. Il y a ses petites cartes de lutte qu'il distribue au monde en résidence. il était chercher un fanbase à résidence maintenant. Nice. Il est connu dans la place, maintenant? Ben oui. Quand j'arrive pour le visiter, je n'ai pas besoin de rien dire. Ils savent déjà qui je vais aller voir. C'est bon. Tu viens, comme je me répète, mais tu viens d'une famille de lutteurs, plus précisément de la famille Leduc. Tu es le fils du légendaire lutteur Paul Leduc, qui a marqué l'histoire aux côtés de son frère Joe Leduc dans les années 60-70. Mais avant, je vais t'arrêter là, parce que là, maintenant, c'est plus connu. C'est un frère alliance de lutte. Oui, car... c'est ça. Oh, oui. Oui, c'est ça, parce que Joe, c'était pas son vrai frère. Tu sais, c'est un homme pigeon. Ouais, c'est un monsieur pigeon, si je me souviens bien. Oui, c'est Michel Pigeon, effectivement. Ah, Michel Pigeon. Puis mon père aussi avait un autre nom. Mais dans une certaine année, il a lutté sur. Ils ont pris la gimmick de Paul Byron, les bûcherons. Oui. Le bûcheron Paul Byron. Puis il avait changé son nom pour Paul Leduc. Puis Michel Pigeon a changé son nom pour Joe Leduc. Mais le vrai nom de mon père, c'est Léodore Mimo. Mais à une époque, tu pouvais, pour quelques centaines de dollars, même pas, tu pouvais facilement changer ton nom à la cour. Okay, alors, qu'est-ce que, en changeant le nom légalement à la cour,
Alors, il est devenu, sur tous ses papiers, incluant son numéro social, Paul Leduc. Puis nous autres, okay. on est nés sous le nom de Leduc par rapport que son nom était déjà changé officiellement à la cour. Et puis, ils ont également été impliqués dans des rivalités mémorables avec, entre autres, la famille Leduc qui ont fait, là, pas Leduc, mais Vachon, excusez-moi, qui ont fait la pluie et le beau temps partout au Canada, aux États-Unis, puis tout ça. La question, c'est une question qui est super simple, mais comment s'est déroulée ton enfance au milieu de toute cette animosité? Ah, très vite, j'ai su qui était mon père à un très jeune âge. OK. Par rapport à quand que, je posais les questions, parce que par rapport à quand on sortait avec lui, mon père sortait sa carrière, on est venu au monde. Quand on allait au centre d'achat ou au magasin avec lui, il se faisait souvent interpeller pour des autographes. OK. C'est comme ça que je posais la question pourquoi. Il m'a expliqué qu'il ne m'avait jamais dit que la lutte, que c'était un script. Je l'ai découvert plus tard dans mon enfance. Okay. On regardait effectivement la lutte à la maison. Moi, mon époque, quand j'ai commencé à regarder la lutte, c'était la lutte internationale de Gino Brito. OK, le Wrestling International. Avec Ricky Martel, qui étaient les trois ensemble. Yes. Fait que là, j'ai vu les Abdullah de Butcher, les Steve Strong, Joe Leduc, effectivement, Creechman, Floyd, Pierre Mad Dog LaFive, l'arbitre Adrien Desbois, Mass Superstar. Aujourd'hui, tout le monde le connaît sur Demolition. Yes. Oui, Axe Demolition. Smash, mais Axe. Mais moi, ça va toujours rester pour moi. Ça va toujours rester Superstar, Mass Superstar. Oui, c'est vrai. Je trouve que j'aimais mieux. Personnellement, c'est le gimmick auquel je m'identifie le plus. Puis encore à ce jour, quand j'ai eu l'occasion de dimensionner, c'est ce que j'y ai dit. Puis ça y a fait comme une fleur. Il était content quand même. Parce que souvent, quand tu arrives à WWE, F à l'époque, qui est rendu E, aujourd'hui, le monde, quand ils font les conventions, c'est plutôt plus la gimmick de la WWE qui est plus demandée parce que c'est elle qui a été popularisée à travers le monde. Par rapport qu'ils ont fait leur passage à la WWE. Exactement. Oui, j'ai lu quelque part dans une ancienne entrevue que tu avais fait que tu as longtemps hésité entre faire de la lutte ou devenir joueur de hockey. Oui, effectivement, parce qu'on a resté à Québec à une certaine époque. J'ai toujours été investi dans le sport, puis mon père m'avait amené, j'avais commencé à jouer au hockey, baseball, soccer, puis j'avais commencé plus à me développer dans le hockey double lettre. À une certaine époque, j'ai eu la chance de faire le tournoi, le fameux tournoi de Claudie Québec du PO du Carnaval. Nice. J'ai joué pour le gouverneur de Saint-Foy. Ça, c'était un des plus gros tournois auquel aujourd'hui tu as vu des grandes vedettes qui ont participé quand ils étaient jeunes. Naturellement, je suis devenu un fan des Nordiques du Canada. Pas les Nordiques du Canadien, mais les Nordiques de Québec. Yes. Il y avait une grosse rivalité à l'époque avec les Canadiens. Puis je passais le journal chez Claude Bédard, qui était un journaliste. Puis, puis il y avait Guy Lapointe, qui était assistant entraîneur. Je passais. Puis il y a aussi l'assistant coach Nolet, Simon Nolet. Oui. Bon, le coach Simon. Je ne sais pas si c'était Simon, mais c'est M. Nolet. Pour moi, c'est l'ancien joueur monsieur. On prenait le temps, j'avais le temps des discussions avec eux autres quand c'était de la collecte, tout ça. Puis souvent, dans le temps, on entendait que les joueurs ne voulaient pas venir jouer à Québec pour une question d'argent. L'argent n'était pas assez grosse, puis pour aussi une question de barrière, le français. Alors moi, j'étais révolté. Fait que là, moi, je dis, je vais aller jouer au hockey, man. Je vais aller jouer pour les Nordiques pour rien. Je vais donner un gardien de but. Parce que j'étais gardien de but, je pratiquais ce sport-là pratiquement 11 mois par année. OK. Et par la suite, après, je vais aller dans la lutte. Fait que, au début, c'était pour jouer pour les Nordiques de Québec, gardien de but. À l'époque, c'était les gardiens de but qui me fascinaient. Il y avait Clint Malarchuk, Mario Gosselin, Bob Froese, qui donc qu'il y avait que j'écoutais là-bas. Puis t'as eu Mario Benetti, je ne me souviens plus de son nom, parce que c'est Mario qui a béni quelque chose. Ouais. Les autres, c'était. Puis on avait des billets de saison.
OK. Alors, j'allais régulièrement voir les Nordiques de Québec. J'étais fasciné par Clint Malarchuk. Puis aussi, qui n'a pas eu un chandail de Wayne Gretzky, of course, les Oilers d'Edmonton. Mais bien sauf oui. que c'était pas moi, mon joueur c'était préféré, c'était pas Wayne Gretzky nécessairement. Okay. Comparativement à plusieurs, moi c'était Grant Fuhr parce qu'il jouait du même côté que moi. Il attrapait de la droite, il attrapait de la droite. Fait que de là que je vais. Parce que c'était rare de voir des gardiens de but qui attrapaient de la droite. Ouais, dans ce temps-là, il n'y avait pas. Non, il n'y en avait pas beaucoup. C'était tout du gaucher. Dans cette période-là aussi, je passais le journal chez la mère de Patrick Roy. OK. Toujours, quand elle a su c'était qui mon père, on a fait des échanges. Elle a dit amène-moi des photos de ton père lutteur, parce que moi je l'ai toujours apprécié. Puis je vais t'échanger des photos de Patrick Roy. Fait que aussi Patrick Roy était une influence aussi pour moi. J'imagine. Comme gardien de but, malgré qu'il n'était pas de mon côté. Je pense que Patrick Roy aussi. C'est un des plus grands. Quand c'était de la collecte, on échangeait des photos. Moi, j'avais des photos de mon père, puis on avait des photos de Patrick. Puis, ouais. Puis à un moment donné, on a reçu un cadeau par mon oncle que j'appelais Toto Gingras. Je ne sais pas si je vais le dire, s'il va se faire. Le défunt Toto Gingras. C'était le meilleur ami de mon père qui a donné son premier job en sortant de la lutte. Okay. Qui l'a rentré dans la famille québécoise. Et il nous a fait le cadeau d'une mitaine de Patrick Roy, le gardien de but. Celle, la fameuse photo là, qu'on voit, Patrick l'Incroyable. Ça, c'est juste quand il est passé du Canadien de Sherbrooke à Montréal. Puis ils ont fait un grand poster. Mais il a fait une grande affiche. C'est Patrick l'Incroyable avec des rondelles et tout. Puis c'est la même mitaine. Ah, wow! La même mitaine. La Coupe 86, dans le fond. Oui, en plein ça, mais sauf que c'est quand il a fait sa transition. Okay. Parce que quand il a gagné sa première coupe cette année, je m'en souviens comme hier, si je me souviens bien, c'est une Cooper brune qu'il avait. Okay. Oh oui, t'as les pattes brunes, le bloc brun. Yes. Ouais. La mitte brune. On va revenir un peu à la lutte. Nous avons lu aussi que tu étais le premier élève à Jacques Rougeau. Parle-nous de cette expérience. Ce n'est pas nécessairement une super de belle expérience. Ah! Comment que je pourrais expliquer ça en restant poli? Obligé d'élaborer, on va faire ça bien chaud. Je me parle à moi-même. Là. Qu'est-ce que j'ai pas de jeune à en parler aujourd'hui. Là. Comment que ça s'est fait la première rencontre avec Jean? Comment ça s'est passé? C'est que mon père était à l'hôpital. Puis moi, c'est Denis Gauthier. Le père de Denis Gauthier, joueur d'hockey, qui m'avait amené à l'émission Claire la Marche, parce que Jacques Rougeau avait fait une première émission Claire la Marche. Oui. C'est YouTube, je pense, d'ailleurs. Oui, mais ça, c'est la deuxième. La première fois qu'on était à Claire la Marche, je portais un col roulé noir, un veston moutarde, bref. Okay. Il était sur le panneau, Jacques, à une émission, entre une pause, il était le fils à Paul Leduc, je viens de le voir, même à l'hôpital. Puis je vais m'occuper de ta carrière. Paf! Okay. Fait que c'est comme ça que j'ai rencontré ma première rencontre avec Jacques, qu'on a commencé l'entraînement. Mais avant toute chose, quand il y a eu la fermeture du Forum de Montréal, on avait appelé mon père au dernier gala de lutte du Forum de Montréal, la tournée de Heart Attack Tour de Brett. Oui, Puis Jacques faisait son combat de retraite, effectivement, contre PCO. On avait appelé mon père pour venir visiter le Forum une dernière fois. Car il s'avait marié dans l'arène de lutte en 1971. C'était Patrick Normand, le chanteur de noces. On était invités par l'organisation, par le Forum de Montréal. On a eu accès au backstage. Puis mon père faisait la description... Il a fait la description à Radio CKC à Ron Fournier. Mais à cette époque-là, la technologie n'était pas grande, fait qu'il n'y avait pas vraiment de téléphone. Mon père était dans le corridor dans une boîte à la cabine payante, une boîte téléphonique payante. Puis moi, je décrivais certaines scènes. Puis mon père a décrit le match dans un combat de jog par le son de la foule. Il savait qu'est-ce qui était en train de se passer. Fait que moi, j'y shootais, j'y collais le coup de shot. Puis lui,
avec les petits mots, avec le un ou deux mots que je disais, ouais. Il partait, puis il allait avec la foule. Parce que pour savoir si c'est un bon combat ou pas, le chef fermé tes yeux puis écouter la foule. Ça va te dire vraiment si le lutteur il est bon ou pas, ou si la foule l'a acheté. Tu sais, il peut avoir de moins de grande qualité athlétique, mais si la foule la jette, puis c'est ça qui est le but, hein, c'est dans la lutte, c'est faut que la foule t'ajette. Puis quand elle t'ajette, puis qu'elle t'aime, puis qu'elle t'adore, soit qu'elle t'a eu, ou qu'elle te chuchote, ou qu'elle applaudit pour toi, ben là, on le sait qu'on a quelque chose, on a un morceau qu'on va pouvoir exploiter puis en faire de l'argent. Parce que le monde oublie là, que la lutte, là, à la base, c'est une question de faire de l'argent. C'est une business. Ouais. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Ouais. Quand Kevin s'est acheté tous les territoires, il avait promis des sommes astronomiques dans le temps d'époque, $1 million pour acheter le territoire de personnes pour qu'ils ferment, pour qu'ils puissent prendre ses meilleurs talents puis rentrer là. Et ça a tué le territoire, exact. Ça a tué comme le business. Tu n'avais plus vraiment d'endroit pour faire un bon salaire puis d'en vivre à temps plein. Là. Exact, c'est ça. C'est que lui, il a passé dans tous les petits territoires, là, les NWA, etc. Là, puis il a tout ramassé les meilleurs talents. Ben, d'ailleurs, au Québec, là, il a ramassé les Martel, les Rougeaux, les Leduc, etc. Tu sais, il a tout amené là. Tu sais. D'ailleurs, on alors, pour revenir à Jean, parce que je vais perdre le fil d'idée. Fait la rencontre parce que pourquoi j'ai accepté de. Parce que rencontre de Jean, ça a été. Ma rencontre avec Brett et Owen Hart, ça a été avant de rencontrer Jean. Alors, on est dans les corridors backstage, puis Brett, il aperçoit mon père, il s'approche, il a reconnu mon père, il a des anecdotes du temps que mon père, il a lutté pour son père à Stampede Wrestling. Oui, oui. Puis il disait, t'es grand, t'es gros à l'époque, je faisais pas loin de 260 livres, tu sais, j'allais au gym, j'étais bulké, je faisais 6 pieds 1. Alors, il dit, t'aurais été un lutteur, puis tout ça, deuxième génération, c'est important, papa. Alors, ça reste là, Owen arrive, lui aussi, il compte des anecdotes quand il était petit, quand il vendait ses tablietteries, des posters, il s'occupait des billets, distribuait des affiches un peu partout. Alors, ça restait comme ça, on rencontre Jacques, il a dit qu'il allait s'occuper de moi, j'ai déménagé chez lui. Il y a eu des articles dans les journaux qui avaient sorti qu'il allait faire un show au stade olympique puis que j'allais lutter contre Hulk Hogan. Tout de suite, ça doit sonner une alarme. Tu sais, j'ai pas fait de combat encore. J'ai pas fait une prise de lutte. Puis tout de suite, je te promets Hulk Hogan. Ouais, non, fait c'est sûr que c'était du grand Jacques Rougeau. Fait que, tu sais, par la suite, oui, il l'a fait son combat. Mais c'est dans le fond, c'était lui qui l'a fait. Puis c'était pour lui. Mais il avait besoin de quelqu'un, j'imagine, pour commencer ou partir son école de lutte. Exact. Tu trouvais une façon après sa carrière de se tenir occupé. Je suis allé habiter chez lui. J'avais pris une partie d'héritage de ma grand-mère pour le payer. Il ne m'a pas appris. Il ne m'a rien appris vraiment. Okay. J'étais tenu plus son cash. Je passais la semaine chez eux. Au lieu de faire de la lutte, je le calais au golf. Oh puis boy. J'ai acheté des cigares. J'ai acheté des cigares en plus. fait que là, je demandais à maman de me transférer de l'argent. Puis là, après, je partais au dépanneur acheter des cigares pour Jacques. Moi, je me souviens d'une certaine époque que tu avais fait une tournée avec Jacques. Oui, avec Jacques, on a fait une tournée, mais deux semaines avant mon premier combat contre Serge Roland, le prisonnier Serge Roland, à l'Auditorium de Verdun en 1995. Oui, tu avais fait un combat. Je n'avais pas lutté encore. Okay. Je n'avais pas lutté. Il m'avait aucune pas base écrit. Aïe, aïe. À part le regarder d'une caméra puis faire une entrevue, d'acide, mais aucun move, aucune prise, rien pendant le 9 mois que j'étais chez eux. Puis là, ma mère, mon père story, était comme là. Fâché. Il était déçu. Alors, on avait engagé Martin Roy. Oui, je me souviens. Judas. Yes. Pour aller s'entraîner, pour aller s'entraîner dans une grange à chevaux. Pour c'est me montrer. Puis ma mère, il donnait tant de l'heure pour y montrer pour que je me prépare à mon combat. Parce que qu'est-ce qu'on faisait, c'est qu'on pratiquait nos combats avec Jacques. C'était tout chorégraphié, puis on ne pouvait pas déroger de ça. Oui, on avait des séances de pratique chez eux avec Serge Roland dans sa cour, dans une arène de lutte, mais je veux dire, on n'a pas... À l'intérieur du cours de lutte, il n'y avait rien. Là, j'apprenais... Ah ben, OK, on va dire que j'apprenais de l'encore, mais c'était dans ma chorégraphie. Il ne m'apprenait pas aucun autre move en dehors de ma chorégraphie comme tel.
Fait que moi, je savais pas comment me débrouiller, je savais pas comment lutter, je comprenais pas vraiment les choses. Alors, on avait engagé Martin Roy. De là, il m'avait entraîné pour me préparer pour mon combat de 95 à l'Utium de Verdun. Et puis, une année, j'ai été perdu dans le combat, puis j'avais fait une descente du coude out of nowhere que j'avais pas appris, mais j'imagine à force, là, depuis que je suis petit, à regarder la lutte, comme toute personne, mais c'est le coup de coude. Et là, j'ai eu une crise de genre incroyable dans le backstage, là, parce que j'ai dérogé d'un mouvement de lutte dans la chorégraphie. Juste deux? Aïe, aïe. Ouais, juste un move de lutte, ouais, dans toute la chorégraphie, parce que j'étais perdu. Ouais, allez, ouais, c'est normal. La nervosité. Bien sûr, c'est sûr. Aussi, dans le programme... Dans le programme, il y avait Tony Moly, son associé, qui m'a mis en arrière du gros poster. On l'a utilisé. Oh oui, ben oui, c'était une tournée avec Abdullah. Là. Moi, je me souviens de Abdullah, ça. Abdullah, Richard le Magnifique Charlat, oh, oui, il y avait une grosse Éric Chalet, Jean Comtois. Puis Jean Comtois, là, je voudrais juste prendre 30 secondes de dire que dans la lutte au Québec, là, Jacques, c'est un des meilleurs gars, Comtois. Puis c'est dommage qu'il n'ait pas eu son break. C'est tout un athlète. Il luttait encore dernièrement avant qu'il prenne sa retraite. Il a pris sa retraite. Oui, mais c'était pas à cause qu'il était ralenti. Il était capable de C'est un gars là, que tu vas avoir dans ton vestiaire. Il ne dit pas un mot. Si tu veux des conseils, tu peux l'approcher. Il va te donner des conseils. Tu sais, le gentleman, le perfect gentleman. Là, professionnel, exactement. Jacques Comtois, c'était une des plus belles rencontres que j'ai faites dans la lutte au Québec. D'ailleurs, il y en a eu d'autres, mais Jacques, c'est Jacques, puis Jacques Comtois, il souhaite une bonne retraite. Il n'est pas revenu sa parole comparativement à beaucoup de monde qui reviennent après deux semaines. Parce c'est que ça. Dans ce temps-là, on dit on prend une retraite, puis ça, ils reviennent après deux semaines, ils voient qu'ils n'ont plus de pop. Ils ont besoin d'une approbation de la foule, ils ont besoin de se faire acclamer. L'ego est touché et tout. Fait que là, en promettant la dernière marche, on sait que les émotions vont être là. On sait que le monde va donner une tape dans le dos des lutteurs. On sait que la foule va crier pour cette personne-là. Parce que son dernier match, on va tout y donner comme émotion. Par la suite, la personne ressort deux semaines plus tard. Moi, je n'appelle pas ça une retraite. Non, c'est sûr. Puis d'ailleurs, en parlant de première rencontre sur cette tournée-là, moi, la première fois que je t'ai rencontré, Carl, c'est durant ça. Puis j'ai une photo, fait que je veux te la montrer. Oh, j'aimerais savoir ça. Oh. C'est ça. Oh, shit! C'est vraiment... Ouais. Hey, c'est où, ça? C'était à Rimouski. À Rimouski? Hey, j'étais monté à Rimouski voir Abdullah, mon père. C'était un grand fervent, tu sais. Wow! Oui, c'est ça. Il allait à... Un beau bonhomme, c'est un... Ben oui! Oh, tu l'as encore! Puis c'est ça a été des belles années, tu sais. J'aimerais ça que tu m'envoies ça sur mon site. Ben oui, je vais te l'envoyer, c'est sûr. Je vais te l'envoyer, tu sais. Puis quand toi, tu étais plus jeune, ben tu m'as envoyé des photos, tu sais, avec le géant ferré. Parce que mon père, il a eu une bonne relation avec le géant ferré. Puis je ne sais pas si le monde le sait, mais le géant ferré, c'est soit qu'il t'aime ou qu'il ne t'aime pas. Puis s'il ne t'aime pas... Oui, je pense que... S'il ne t'aime pas, c'est un des deux. C'est ni chaud ni froid. Et si t'adores, ça va être la personne la plus généreuse que tu peux pas avoir dans ton entourage. C'est cool. Ouais, un gentil géant, comme il dit. Ouais, c'est ça. Ouais, mais s'il t'aime pas, parce que lui, toute sa vie, j'imagine, il s'est fait regarder, tu sais, il s'est fait traiter comme un animal de cirque. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense, moi, c'est l'impression qu'il me donne. Il savait si t'étais sincère ou pas, il te fait sentir, tu sais, il était hâte de ressentir si le monde était là pour le niaiser ou rire de lui ou d'en faire une farce ou si c'était vraiment là pour les bonnes raisons. Exact. Quand il t'acceptait, sky was the limit avec le géant Ferré. Avec son ami, tu étais son ami. Il demandait n'importe quoi, puis il pouvait bumper pour toi après. Ah, c'est nice. Tu sais, on parlait de Calgary tout à l'heure. On aimerait savoir comment tu as été recruté pour lutter pour la famille Hart. Ben, c'est justement après ma première rencontre avec 94. Après, j'ai fait ma tournée avec Jacques. Ça s'est très mal passé. J'ai été approché par Joanne puis Raymond Rougeau. OK. Malgré comment ça m'a été, avec Jacques, j'ai été approché par Joanne et Raymond. Puis tu as aussi... un fameux Pat Patterson. Oui, tout à fait.
Matt Patterson, lui, c'est un maniaque de lutte. Lui, c'est une drogue 24 heures sur 24. Puis quand il n'était pas à la grosse office à New York, il se promenait dans les sous-sols de l'église pour voir la lutte. Puis souvent, quand il venait voir sa sœur au Québec, parce qu'il reste en Floride, il faisait des arrêts dans les sous-sols de l'église. Il m'a vu le temps de WTA dans la masse couche. Il y avait 30 personnes dans la salle. Puis là, il y a eu des communications qui ont dû se faire, mais c'est Joanne Pierremont qui m'ont approché. Parce que Joanne était devenue promotrice, pour l'Est du Canada. Oui, dans l'Ouest, de Toronto jusqu'à Vancouver, c'était Carlos DeMarco, qui était le président de la WWF à l'époque, mais oui, qui a commencé comme chauffeur de limousine pour Brett. C'est quand même drôle. Ben, je ne sais pas si vous saviez celle-là, mais là, je vous le dis. Joël s'occupait de l'Est du Canada jusqu'à Terre-Neuve. Puis encore là, la WWE avait besoin de talent local pour remplir leur place ou attirer du monde lors de des house shows, lors des événements. Raymond m'avait amené sur la route voir des pay-per-views. OK. Le fameux match entre Shawn Michaels puis Diesel, puis quand que Diesel il a arraché la jambe. Là, j'ai commencé à voyager tranquillement avec Raymond Rougeau sur la route. Puis là, je faisais quelques dark matchs. Puis par la suite, on m'avait rappelé pour faire les villes où le nom de Ludic était populaire dans le Midwest puis dans l'Est du Canada. On était en train de me développer. Mais encore là, quand j'ai sorti de Jacques Rougeau, je savais pas lutter. Fait que dans le fond, je savais pas lutter. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que pas de background. Tu t'es ramassé à WWF, mais tu n'avais pas de background. Non, j'ai commencé ça à l'envers. Du nom, puis aussi que Jean voulait me donner une chance. Puis Raymond, super gentil. De là, il n'y avait pas vraiment d'école de lutte où il n'y avait pas, pas de système de développement à part Memphis à l'époque pour la WWE. Par la suite, il y a eu brièvement chez Bret Hart, qui était Léo Burt, entraîneur pour Bret Hart. C'était pas Bret Hart, mais c'était Léo. Puis chez Brett, il y avait une piscine intérieure, puis il y avait à moitié de sa piscine, il y avait un ring de la WWF qui couvrait la moitié de sa piscine. fait que là, t'as eu les Mark Henry, t'as eu les Ken Shamrock, t'as eu ce rapport là, Adam et Christian, Adam aujourd'hui. Oui, Landstorm et compagnie. Mark Henry, Tess, Val Venis. China. Mais moi, quand j'étais dans ma tournée, ça s'est mal passé, man, avec Rikishi. J'étais un nouveau. C'est ça, parce que je me souviens que t'as affronté comme Aldo Montoya, qui est Justin Credible maintenant. Ouais. T'as affronté JBL, t'as affronté le Sultan, qui maintenant est Rikishi. Oui, le Sultan, qui est là, ouais, c'est vrai. Rikishi, ouais. Mais il y a un combo qui a attiré mon attention, puis c'est celui avec Owen Hart à Québec. Oui. Peux-tu nous partager cette expérience? Oui, ben. Mais avant, oui, je peux la partager. mais avant tout ça, pour la comprendre, cette expérience-là, c'est que les gars étaient vraiment durs. Je prenais la place de quelqu'un, un des boys, puis il y avait un de leurs boys, il peut retourner parce que un parti, un arrive. Oui, je ne savais pas faire aucune prise de lutte. Fait que les gars ont été très durs avec moi sur le temps. Tous les soirs, c'était vraiment... C'était du shoot wrestling qu'il faisait avec moi. Il me brassait, il me maganait. Quand je suis arrivé backstage, j'ai enlevé ma ceinture puis je voulais me battre avec. J'ai eu quelques altercations aussi avec 5 au Sid, mais ça s'est bien passé. Mais avec Owen, c'était par rapport que, souvenez-vous, j'ai été le premier combat qui a été ouvert, qui a fait l'ouverture du nouveau centre Molson à l'époque, qui est rendu Centre Bell. Ouais. Je luttais contre Bradshaw, mais il avait fait la mise en scène, mais il avait préparé une story entre Owen Hart et Raymond Rougeau, combat de boxe, avec George Chevalo qui était dans le coin de Owen, qui l'entraînait, puis nous on avait notre fameux national
bon gars, bon Jack, Dino Clavette. C'était toute une... Dans le coin de Raymond. Et le 2 août, c'était au Forum de Montréal, le combat de boxe. Après, le lendemain, il luttait contre moi. Puis pour continuer aussi l'affaire entre Raymond puis Owen, dans la photo que vous avez présentée à l'écran, j'étais dans le sharpshooter. Yes. Puis là, tu vois, on voit qu'Owen regarde parce que là, il s'apprête d'avoir un run-in. T'as Jimmy Corderis dans le coin, puis là, le veston bleu qu'on voit pas parce que la photo n'était pas assez grande, c'était Jim Cornette. Jim Cornette accompagnait Owen Hart. Ça a été un combat de qui ne lâchait pas le sharpshooter, puis Raymond a fait un run-in. OK. Oui, ça a fini, j'étais jeune, là, ça fait vraiment longtemps. J'ai des photos de ça, je pense. Mais Owen, j'ai développé une amitié avec lui par la suite. Ouais. Lui, il me dit, regarde, veux-tu une guerre de 6 mois dans la lutte ou de 20 ans? Il dit, écoute, tu restes un autre 6 mois avec nous autres, ton nom va te brûler, tu vas te faire remercier, puis tu ne pourras plus lutter nulle part. Alors, j'ai commencé à être son co-chambreur sur la route, puis il m'a installé chez son père, dans la maison. Il m'avait dit, il y a deux écoles, il y a soit Brett ou Bruce Hart. Mon frère. Mais Brett, ça sera pas lui, c'est juste qu'il sort de son nom, puis c'est du polissage. Mais toi, tu as besoin d'apprendre. Excusez-moi, tu as besoin d'apprendre. Alors, moi, ce sujet entre les deux, c'est Bruce Hart. Puis on sait, tu sais, Bruce Hart, c'est un famous wrestler dans le sens qu'il était connu, mais il n'a pas eu une carrière à l'écran comme on. Parce qu'on dit, si tu n'as pas de carrière de WWE, tu n'as pas de carrière de lutte. Tu sais, mais encore là, c'est pas vrai, tu sais. Tu n'as pas pu l'avoir dans l'Ouest. Oui, mais pas juste ça. Il y a l'aspect en arrière-scène. Il a fait des tournois au Japon. On pense que la lutte, c'est juste la vedette qui est devant l'écran. Mais pour cette vedette-là, pour la rendre au niveau qu'elle est, là, puis l'amener à un niveau plus haut encore, ça prend du monde à l'intérieur, en arrière-scène. Ça prend des fourmis. C'est une fourmilière. C'est une fourmilière en plein ça. Puis Owen m'a dit, tu vas aller à Calgary puis tu vas apprendre toutes les positions. Comment monter un ring? Comment arbitrer, comment manager, comment lutter, puis je suis le genre de avec mon frère Bruce. J'étais à Calgary, j'ai développé une amitié auquel que on se parle régulièrement, moi puis Bruce. J'étais allé rendre visite dernièrement encore chez eux, passer la fin de semaine, semaine chez eux. Chaque fois que je descends à Calgary, c'est lui qui m'accueille dans sa maison. J'ai des moments privilégiés encore avec la famille aujourd'hui. Et j'ai appris avec lui, puis il m'a amené avec tout ce qui s'est passé sur la route avec les boys à WWE. T'avais Owen puis le British Bulldog qui de temps en temps venait voir les pratiques de lutte. Puis là, il avait vu une amélioration avec moi et tout. Après d'avoir parlé à son père Stu dit, après tant de temps, il dit « It's time to go ». It's time to go. I'm going to call Vince for you. You got to go back. Fait que moi, j'ai développé l'amitié avec Bruce. Aussi, il y avait un de ses enfants qui avait la paralysie cérébrale auquel j'ai eu un gros lien fort affectif et émotif avec ce jeune-là. Okay. J'étais bien. J'étais dans une zone de confort. J'étais dans mes chaussettes. J'étais sur le top à Stampede Wrestling. Je ne faisais pas la gimmick du Lumberjack le Zuck encore. J'étais plutôt... Bruce, il avait créé comme une gimmick pour moi. Puis dans le fond, dans la lutte, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, tu es là pour apprendre. Exact. Puis moi, j'ai accepté de faire François Einstein. J'ai pas dit, hey, je suis le fils de Paul Leduc, bla, 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 la famille Leduc. Moi, j'ai lutté, deuxième génération, mais j'ai accepté. Puis c'est là que j'ai appris, puis j'ai pas eu toute la pression que j'ai eue à WWF sans avoir lutté, représentant la famille. Ouais, alors, j'ai appris beaucoup de là. Puis quand c'est le temps de retourner, j'ai pas voulu, j'étais allé faire des tournées au Tennessee, un peu partout, j'étais en Europe. Puis là, après, j'ai reçu un autre appel de la famille. Reviens, on a besoin de toi. Là, je reviens à Calgary, puisqu'il y a eu les funérailles d'Owen. La famille m'a appelé pour que je sois là. Alors, je suis revenu pour les funérailles, puis ils m'ont demandé de rester. OK. De là, moi, j'étais l'ancien roi du territoire. Puis il y avait un nouveau king qui disait, puis moi, je suis le nouveau king, je ne te laisserai pas prendre mon spot.
Alors, de là, on a eu un contrat de télévision pour la Stampede Wrestling. J'ai fait un combat. Il y a une fracture de jambe qui était faite intentionnellement. Ouais. Parce qu'après, moi, avant le WWE, je voulais aller au Japon. Puis, t'avais du monde, t'avais les Japonais qui étaient venus voir le show. Peut-être, j'ai dit au gars, okay, on a un problème, moi, puis toi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tu veux plus m'avoir ici? Moi, je veux rester. On sera pas mal dans le combat. On va prendre soin de notre corps un envers l'autre. Puis après le combat, man, on va laisser le monde sortir du vestiaire. On va fermer la porte. Parce que dans le temps, c'était comme ça qu'on réglait un peu nos problèmes. On fermait la porte. Puis le premier qui sort du vestiaire, c'est lui typiquement qui a gagné le combat. Mais là, c'était vraiment un legit combat. Qui allait rester, puis l'autre allait partir du territoire. Ben, lui, j'imagine qu'il avait peur. Fait que moi, j'avais un stun que je faisais. Tu m'envoyais dans un turnbuckle. Ouais. Tu faisais le monkey flip. Le deuxième turnbuckle, là, il faut qu'il reprenne over. Fait qu'il cut down. Mm-hmm. Il se voit juste me soulever. Parce que si le monde ne le sait pas, la personne qui fait la prise ou qui donne la prise à l'autre, qui prend le bomb, c'est tout lui qui prend le bomb, qui fait tout le travail. Ouais. L'autre qui est juste comme un mannequin ou un accessoire pour que tu puisses effectuer la bombe. Puis pour ne pas te blesser ou éviter les risques de blessure, pour que tu sois en tout temps en contrôle de ton bump, de ta rotation, de tout. Alors, tant qu'il me soulevait, il a pris par mes jambes, me balancé en dehors de la règle. Parce que mon stun, c'est quand tu me pousses, ouais, je flippe par-dessus le turnbuckle. Je suis tombé sur le ciment, un bump sur le dos sur le ciment. Okay. Tu sais, c'était mon bump. Puis, ouais, ouais. Je le regrette aujourd'hui quand je pense, puis je pense depuis toujours. Puis, moi, il m'avait dit, tu veux une longue carrière, fais pas d'autres voltiges nécessairement, parce que si c'est une vilaine blessure après, tu ne vas plus lutter pareil. Puis le monde va dire, il ne sait plus lutter, il n'est plus bon, parce que nous autres, on vient le voir pour faire faire le flip. La journée, tu ne seras plus capable de faire le flip, le monde va dire, t'es fini. Moi, je ne voulais pas l'écouter. Je voulais impressionner les Japonais. J'aurais dû, parce que c'est un regret, parce que aujourd'hui, j'ai une fracture de la jambe qui s'est faite en 99. Puis à ce jour, j'ai encore les problèmes avec. T'sais. OK, quand même. La jambe est fracturée, mais il y a eu des problèmes de genoux qui s'est développé, de l'arthrose. La médecine n'était pas aussi avancée qu'elle était aujourd'hui. On n'est pas aux États-Unis pour avoir des opérations tout de suite. Puis... T'sais, fait que ça, les opérations, ils ont dû attendre, puis ça a causé des problèmes. Fait que, j'ai été blessé, puis le gars est venu voir l'hôpital, il dit, prochaine fois, ça va être pire. Mais pire que quoi, là? J'ai carrément brisé ma carrière, je m'entraîne, là, Stu, il dit, c'est le temps de retourner, je voulais pas, j'étais dans une zone de confort, comme j'expliquais avec la famille, le lien développé avec son enfant handicapé. Je veux pas dire moi handicapé, mais qui est paralysé cérébral. Puis j'ai décidé de rester, puis non, moi je veux plus être en avant de l'écran, parce que là, c'était l'attitude era qui commençait. Puis quand j'étais parti, Owen me dit, écoute, là, il y a Brett qui va faire son retour, il va y avoir Stone Cold qui vont lever un cran, t'as l'Undertaker, t'as Sid Vicious. Aïe, là, c'était un stack de roster, là. C'était vraiment... The Rock aussi, t'avais The Rock qui préparait... Ouais. De se distinguer, là. Hey, c'est malade. Mais toi et Carl, t'as fait une sorte de retour au Québec d'une certaine manière en fondant la FLQ de ton père. Oui, mais c'est ça. Mon père lui a fondé la FLQ, mais moi, je l'ai appris à devenir comme enseignant de lutte. J'ai refusé que Stu Hart, on dit Stu Hart, mais pour moi, ça a toujours resté Mr. Hart. Fait que Mr. Hart, ben j'ai refusé. À tous les soirs, on allait dans sa cuisine, puis on prenait une tasse de thé avec du miel, puis on discutait, puis j'apprenais plein de choses avec ce monsieur-là. Là. Ben, j'imagine. Là. Sur la psychologie, c'est quoi lutteur, comment faire de l'argent. Et là, moi, j'ai décidé... Pardon? Tu deviens une éponge quand t'es chez eux. Ah oui, mais pourquoi le choix? T'es là, puis t'écoutes. T'écoutes. J'étais privilégié d'avoir des conseils de... Puis à la WWF, j'ai eu des conseils de Sid, Undertaker, Mankind, même le Sultan là, que j'ai trouvé... là. Ouais. Que j'ai pas aimé, que j'ai détesté, que ça a été une mauvaise aventure. Il m'a donné un des plus beaux conseils auxquels que j'ai transmis à plusieurs par la suite, les conseils de lutte. Mais je voulais apprendre comment devenir un bluesseur, devenir un professeur, parce qu'il me dit, il n'y a pas juste en avant de l'écran. Parce qu'en avant de l'écran, ta run dure 3 à 5 max. Puis si t'en marques les lutteurs, c'est ce qu'il faisait, là.
Yes. Les gros noms, regarde Kurt Angle, 7 ans peut-être. Après, il est parti. Là, il dit, ta plus grosse argent, tu vas faire. Puis c'est très rare que du monde, c'est comme au hockey. Une carrière de hockey, c'est 4 ans la moyenne. Environ. Ceux qui font des 20 ans, des 18 ans, des 15 ans, c'est des personnes exceptionnelles. Ben, Bobby Orr, il a fait juste 10 ans. Ouais. Bobby Orr, à 30 ans, il n'avait plus de genoux. Parce qu'il était tellement joueur polyvalent. Quand même. Les genoux sont pas bien. Faire un parallèle, c'est en plein ça. Puis là, il dit, c'est là qu'il faut que tu ramasses son argent. Puis tu ne la dépenses pas. Exact. Puis lui, ouais, il m'a expliqué en 94, c'est la plus grosse année dans la lutte pour lui avec le WWE, c'était contre 94, quand on a la fameuse rivalité contre son frère. C'est vrai que c'était la Field of the Year. Ouais, le Cage Match, puis le WrestleMania 10. Le Cage Match, WrestleMania 10. Fait que moi, j'ai voulu apprendre. 1994, c'est bon. Ouais. De là, mon père est parti de la Fédération de lutte québécoise. Oui, tout à fait. Mais j'étais encore à Calgary, par contre, parce que j'ai tiré mon séjour pour perfectionner mon entraînement. Puis encore, il y a deux semaines, je parlais avec Victor de Ascension. Il me remerciait comment je l'avais aidé à l'époque. Okay. Parce que j'étais comme devenu un assistant. On avait parti mon père avait parti la FLQ. Puis de là, quand je suis parti de Calgary, il y avait un des autres frères, Hart, qui est allé à Cambridge s'ouvrir une école de lutte avec d'autres partenaires auxquels que Scotty DeMore faisait partie. OK. Fait que Scotty DeMore était l'entraîneur pour l'école des Hearts à Cambridge, en Ontario. Avant qu'il y ait au Performance Center. Parce que je pense avant, il y a Performance Center. Scott DeMore, il n'est pas au Performance Center. Ah, c'est mal avec Bill DeMott. Ah, je me suis trompé, c'est ça. Oui, Scotty DeMore, le gars qui s'est fait congédier de TNA dernièrement. Ah, puis ça, c'est chiant. Oui, c'est ça, il s'est fait congédier de TNA, t'as raison. Oui, mais il y a des raisons qu'on ne sait pas. Tu sais, ce qu'on probablement. Entend, c'est des raisons là, qui sont... mais à l'interne, le monde le savent peut-être, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, mais par le... Pour le respect de Scott, n'en parle pas ouvertement. Non, c'est correct. Dans les dirt sheets ou dans les podcasts, parce que c'est une personne respectée. Moi, il m'a bien accueilli, Scott DeMore, mais il m'a demandé de le remplacer parce qu'il y avait d'autres affaires à s'occuper. Puis il y avait sa petite business aussi à Windsor. Alors, je l'ai remplacé là. Puis là, je faisais Cambridge et je faisais la FLQ. Mais quand je suis revenu à la FLQ, moi, je connaissais pas le monde, je connaissais pas l'univers de la lutte, dans le temps, vous parlez pas les mots de sous-sol d'église, qui lutte, qui ne lutte pas, puis tout. Ça, la meilleure place, je voulais venir évaluer le talent, ben, je me suis mis arbitre. Ben, j'ai commencé arbitre à FLQ. La position la plus noble. Ouais, c'est correct, ça. La position la plus noble, c'était pas arrivé là, puis c'était pas... Non, je voulais pas mettre au vœu nécessairement sur le top, je voulais prendre pour construire, puis je voulais voir avec qui je faisais affaire. Pour que ça me donne des idées, pour que je boucle les gens. Je faisais tout le temps aller-retour. La semaine, j'étais à Kitchener. La fin de semaine, j'étais à Kitchener-Cambridge. Puis la fin de semaine, j'étais à la FLQ, arbitre. J'ai commencé à booker. Il y a eu d'autres bookers. J'ai pris la place de certains autres bookers. D'un booker à l'époque, c'était Gemini. Là, j'ai pris la relève. Mais entre-temps, j'ai formé des lutteurs là-bas qui ont atteint... Ils sont rendus au sommet de la lutte. Eric Young, c'était mon premier étudiant à moi. Ah ouais. Eric Young a été mon premier étudiant. Tu as eu un des Islanders, Rory McAllister. Ah ben oui, Rory McAllister. Ouais, t'as pas fait un autre. Oui, il était bon. Ouais, t'as Rory, moi c'était l'Écossais. Lui, c'est un vrai Écossais. L'autre, c'est un Ontarien, le Kitchener. OK. Puis de là. On a fait plus de FLQ. J'ai fait mon temps là-bas à Kitchener. Fait que j'ai monté comme un programme. Puis mon assistant a construit par la suite auquel que Sean Spear qui a fait ses débuts là. Sous mon assistant, avec mon programme de lutte que j'avais monté là-bas pour les lutteurs. Est-ce que tu penses que la FLQ, pour toi, c'est l'une des plus grandes réalisations de ta carrière? Ah! Ben, c'est encore là, j'en ai encore fait dernièrement, tu sais, c'est sûr que c'est un bébé de la famille. Ouais, j'aurais voulu l'amener à un autre niveau. Des Kevin Owens, des Briscoe Brothers qui ont passé là, il y a eu plein de... Ouais, ça, mais avant, toutes choses, on était sous ça de l'église, on demandait. Ben oui. Je développais du monde, je développais l'école de lutte. Tu sais, j'ai rien contre le monde, parce que moi, j'avais une vision. Les boys, je vais être avec vous autres pendant un certain temps, j'avais ma clique, là, tu sais, j'avais mes lutteurs chouchous, donc on dirait. Ouais. Todd Booker, c'est le lutteur chouchou. Ouais.
Mais j'avais entraîné. Tu sais, j'avais les Alex Trem. Alex Trem qui est chanteur. Grosse vedette au Québec, Alex Trem qui est chanteur de musique. Il a participé plein de groupes aussi. J'avais Ice. J'ai eu Superstar. Puis j'avais d'autres personnes. Puis j'ai écouté un jour, moi, dans 10-15 ans, je ferai plus ce qu'on fait là. Je vais essayer d'amener un autre niveau. Aller plus haut. Mais vous, tous mes compétiteurs auxquels qui me détestaient à l'époque, quand je vais vouloir changer de mentalité puis tenter d'amener le projet à un autre niveau, ça va être vous qui allez devenir champion partout. Puis, tu sais, t'as les Yo Soko qui sont champions partout. T'as les Ice, t'as les Superstars. Tu sais, t'as vu, même à l'extrême, qui a connu plein de plats, qui a été partout champion par la suite. Mais il a eu son développement aussi à la NCW, après la FLQ. Il a trouvé sa niche-là. Je suis encore en contact avec ce gars-là. Encore aujourd'hui, je le mentorise, puis il mentore. Je fais du mentorat envers lui, puis il m'en fait envers moi. Parce qu'on est deux personnes qui sont autocritiques et qui n'ont pas peur de se dire les choses. C'est bon, ça. L'honnêteté. Oui, parce que si on regarde ça, moi, je vais devenir un stade plus haut puis je vais travailler avec du monde qui voulait en faire une carrière. Mm-hmm. OK. Rien contre, parce qu'à la base, comme j'ai dit, c'est une business pour faire de l'argent. Tu sais, on en vit pour certains. Ouais. Tu sais, c'est le but. Moi, c'est ça mon but, comme tout le monde, comme tous ceux qui ont réussi à gagner leur vie avec ça. Les autres, c'était leur but. Tu sais, j'avais posé une colle il y a quelques semaines sur Facebook. T'as un petit mieux lutter devant 50 personnes, 40 personnes qui ont gagné une ceinture ou de perdre devant 600 personnes. Tout le monde qui a répondu a tombé dans le piège à part deux personnes. Un qui veut en vivre de ça éventuellement, puis l'autre, c'est un ancien lutteur de la WCW qui est venu répondre sur mon affaire. Dit, moi, je vois, c'est où tu veux aller. Ils m'ont dit, moi, je fais ça pour la passion. Moi, je veux lutter pour la passion. Moi, ça ne me dérange pas pour me faire payer. Pla, 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 pla. Pas de problème. Mais ça, puis il y en a, moi, c'est 50, moi, c'est devant 600. Non, je ne pas de perdre parce que je veux voir c'est quoi la mentalité des gens, mais ils ont tout tombé dans le piège. Ouais. La personne qui a répondu, je dis, ben, moi, je vais aller, peu importe que ce soit 500 ou 600, gagne pas, moi, je vais aller la place qui me paye le plus. Ce qui était la bonne réponse aussi, c'était un swerve que j'avais mis là-dedans. Alors, tu sais, je voulais travailler avec du gros monde. C'est pour ça que j'ai essayé d'amener des vedettes indie. J'ai fait venir aussi du monde de l'Ontario. Parce que j'étais comme un. Je suis pas accepté de la. Je suis franc, là, puis je suis ouvert avec vous aujourd'hui, là. Je suis comme le mouton noir de la. Tu sais, de la lutte au Québec. J'étais pas un gars qui se tenait vraiment avec les autres. Faire la politique, du luchage, c'était pas mon fort. T'étais le TQS de la lutte au Québec. Ah ouais, si on veut, mais c'était pas mon fort. C'était pas moi, puis c'est clair qu'avec ça. Alors là, j'ai perdu mon fil d'idée, là, mais je n'étais pas accepté, puis il y avait beaucoup de jalousie. Tu sais, j'ai parti des écoles, je les ai fermées, j'avais amené la FLQ à un autre niveau, ça allait super bien. Moi, je l'ai donné comme une ROH pour le Canada, puis ça a été très pas brave, parce qu'après 5 ans, c'est une compagnie auquel qui était reconnue comme major, tu sais, ils sont devenus une pépinière incroyable des années 2000 pour la ROH. La ROH est devenue une pépinière, là, tu sais, on a vu des gros noms qui sont passés, tu sais, Kevin, Sammy est passé par là, t'as eu Danielson, CM Punk, tu sais, Claudio, Claudio Castelli. Tous les gars ont passé là, tu sais. C'est Cesario qui est passé par là, tu sais. En ce moment, les gros stars en ce moment, qui chaînent, les Seth Rollins et compagnie, c'est des gars qui ont passé à Ring of Honor. Ben oui, ben oui. Qui ont passé la pépinière pour le Canada. Je travaillais avec du monde qui voulait soit qu'il y avait un certain niveau de lutte ou qu'il y avait une certaine compréhension ou qui espérait de faire une carrière ou qui en voulait une carrière. Tu sais, exemple, c'est pas en restant au Québec qu'on va pouvoir... tu sais, il faut faire circuler son nom. Puis je reviens aussi à un que j'ai... Entièrement d'accord avec toi, mon ami. Tout à fait, parce qu'on a eu chacun une carrière de lutteur, puis tu sais, on est rendu à 40 ans, puis là, on se dit... Avec du recul, on se dit... Calice, man, j'aurais pas dû lutter au Québec. J'aurais dû lutter n'importe où, sauf au Québec. Quand on commence ça, on veut toute une carrière, mais après, on veut pas mettre l'effort nécessaire. Ouais. Ben là, moi, j'ai appris à lutter avec mon ami. Ouais, pas juste au Québec.
Ouais. Partout, pas juste au Québec. Ben, non, non, partout aussi, mais là, oui, on peut être au Mexique, c'est peut être au Japon. On parle au Québec, parce que je suis au Québec. On parle oui, en Canada. Oui, oui, ben oui. Pour le Québec. Notre belle province. C'est partout pareil. Mais en général, le monde va apprendre de quelqu'un, mais ils ne veulent pas prendre de conseils. Ils veulent tant se faire donner une tape dans les épaules, mais ils ne veulent pas aller faire l'effort. Tu sais, au Québec, là, ceux qui ont réussi, tu sais, t'as Speedball. Lui, Speedball, là, il venait sur des érables. Il voulait une carrière, puis ça se voyait, puis il faisait des efforts, il a fait des sacrifices. Ben oui. Je le mettais quatrième combat, juste avant l'intermission, pour qu'il y ait après, une fois l'intermission auprès des fans, de le rencontrer, qu'il y ait cette connexion-là. Wow. Puis je le faisais gagner souvent, puis je faisais faire un seul move. Parce que moi, tu sais, là aujourd'hui, tu sais, la lutte a évolué. Ouais. Il faisait faire son 450 splash. Ouais, ouais. En dernier, puis là, on savait quand il faisait le splash, c'était 1, 2, 3, puis la foule, wouh! Je le mettais tout le temps là. Fait que, tu sais, à tous les jours, c'était sa position. Puis ce gars-là, il arrivait à 11h midi, ben, aidait à monter le ring. C'est malade. Aidait à monter le ring, puis là, après, il pratiquait jusqu'au show. C'est son moment, tu sais, il pratiquait jusqu'au show. Il est sorti du Québec, il a circulé son nom. Kevin, il a fait la même chose. Samy, oui. Il a commencé ses premiers combats à FLQ. Il a commencé sur Rive-Sud. Il était tout petit, tout petit. Puis de m'amener, il dit Moi, je veux faire la finale, je veux être plus haut dans la carte. Tout. Tu voyais qu'il avait faim déjà. Là. Le gars m'approche, il dit moi, je veux ça. Mais il était avec des souliers de bowling. Alors, moi, j'avais dit un jour, je dis écoute, tu veux une carrière, tu sais, tu vois, tu veux une carrière, fait que je me suis monté en compte, je dis, regarde, disons, on t'accepte, parce qu'ailleurs, ils n'acceptaient pas les lutteurs s'il n'y avait pas de bottes, disons, on t'accepte, et va te chercher une paire de bottes de lutte, puis je l'envoie vers mon compétiteur. Mm-hmm. Fait que, puis là, le compétiteur, il a donné de la place, il a monté, après, il était partout, man, il a lutté devant les 20, 30, 40, 60, 200, peut-être pas l'argent, il investissait, et le traveling partner avec Kevin, puis regardez aujourd'hui, paf! T'sais, tout ça, c'est un investissement qu'ils ont fait dans leur carrière, puis aujourd'hui, ils sont en train de se chercher une sécurité financière, ils pratiquent le métier qui passionnait, et ils gagnent leur vie avec la lutte. Il y a beaucoup de monde qui sont jaloux des Bayleys. Ben oui, c'est Là, il y a beaucoup de monde qui sont jaloux de Big Magic, puis de Parker, puis nos Québécois qui sont sur les majeurs en ce moment. Ouais, on les félicite d'ailleurs, les lutteurs québécois qui ont percé dans le monde de la lutte. Ben, ils ont une persévérance, ils n'ont jamais abandonné, puis ils ont toujours continué de s'entraîner, puis d'apprendre. C'est ça. Exactement, ils ont toujours persévéré. Exactement. Les gars dévoués. Il y a beaucoup de monde. Ah, moi, je sais lutter. T'sais, exemple, on a fait venir... On a fait venir en séminaire Matt Seidel. Yes. J'ai du monde qui se sont inscrits, la moitié se sont désinscrits. Juste deux jours avant ou un jour avant l'événement. Ah, écoute, moi, je pense que j'ai pas besoin de cours. Je m'en vais gagner une ceinture, man. Le promoteur m'a appelé. Je vais donner champion par équipe. Je m'en vais lutter à soir pour donner champion par équipe. Fait que peux-tu me rembourser? Pas de trop, moi, te rembourser. C'est pas la ceinture qui fait le lutteur. Non, mais c'est pour ça aussi quand je dis gagner une ceinture devant 20 ou perdre. Puis tu viens pas me dire que tu veux une carrière si tu veux pas faire d'efforts. Ouais, tu comprends? Mon ami. Puis t'as gagné une ceinture devant 10 personnes. C'est correct. C'est ça qu'il veut. Mais viens pas me demander du booking parce que moi, je travaille avec du monde qui veulent percer. Tu comprends? Exactement. J'avais fait la rencontre dans ma conjointe aujourd'hui. J'avais fait ma rencontre en 2015 dans ma conjointe. Mm-hmm. On a parti un projet. On était chercher le même Mathieu qui nous coûte très cher. Une production de lutte nous coûte entre 8 000 et 10 000 personnes. Fait que ça me prenait du monde. Puis je voulais offrir un produit différent. Le monde disait, t'es vendu aux Ontariens. Puis tout. Non, parce que ceux avec qui je veux travailler se trouvent en Ontario présentement. Ouais. Puis je les ai entourés en entour de quelques Québécois. Yes. Puis faire un clash, parce que moi, on était cherché un contrat avec Fight TV. Le but, c'était de... Le plan était de chercher une fanbase à l'extérieur. C'est pour ça que je fais venir des vedettes. Ouais, tu sais, j'ai fait venir Kaomi
une des plus grosses vedettes là, de Noah Wrestling aujourd'hui dans ses débuts. Je vous ai envoyé une photo. J'aimerais vous envoyer dans la photo. Bon, mais lui, c'est une des plus grosses vedettes. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est entraîné au Japon. Et de là, après, il est parti pendant un an en sol nord-américain pour apprendre l'autre style de lutte. Ouais, c'est ça. Investi, là. Solide. Et c'est parfait. Puis j'avais un Garcia, Daniel Garcia, qui venait avec la gang de Buffalo. Les premiers shows de lutte. Daniel Bryan à Montréal. Oui, exactement, c'est ça. Au Centre Bell. Daniel Garcia, il était venu dans la FLQ, dans le backstage. Okay. Il venait dans le backstage de la FLQ. Il disait pas un mot, il faisait tout ce qu'il avait à faire. Puis demander, il vient me serrer la main. Il dit, je fais quelque chose, je viens avec mes amis de Buffalo, les Kevin Bennett, Braxton, qui était Braxton, mais après, alors Leap qui était devenu. Avec Butcher, Blade, qui l'a vu Blade. Oui, c'est l'étudiant de Blade. Il dit, moi, j'aimerais ça lutter, puis tout ça. Je dis, tu fais la route. Blade Butcher, c'est ça, là? Tu fais la route de Buffalo, 6 heures de route, 5 et demi, 6 heures en auto, pour venir voir le show, puis là, tu me demandes de lutter. Certain, tu vas lutter. Puis ça, ce gars-là, puis aussi, ceux qui veulent faire une carrière, la moyenne, si tu regardes comme les Triple H puis tout ça qui ont réussi, il faut que tu tombes sous le radar dans 2 ans. Oui, il y a des exceptions. Mais du début que tu commences à venir, du début que tu fais ton premier combat, ton entraînement, c'est une moyenne de 2 à 3 ans, il faut que tu tombes sous le radar. OK. Ouais, c'est vrai. Ça venait pour 50$ US chez nous. Aujourd'hui, là, il gagne sa vie quelques années plus tard parce qu'il a fait des efforts. Il a fait des cours de lutte, il s'est entraîné, il a appris, puis il a tout pris des conseils sans jamais rien dire un mot. Sous le radar. Pardon? Sous le radar, comme les bandits, sous le radar de la police, mon ami. Exactement. Ben oui, exactement. Mais ce monde-là, ils upgradent leur chance, ils augmentent leur pourcentage de chance de réussir. Parce que, tu sais, la lutte, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Puis comment qu'on fait pour les démarquer? C'est ceux qui vont faire l'effort. Moi, j'ai toujours dit, tu sais, je vais essayer de donner des conseils. Non, réponds-moi pas pourquoi de ci, pourquoi tu as fait ça. Je te donne le conseil, tu le prends. Si tu penses que le conseil est fait pour toi, là, tu le gardes dans ton oreille. Si tu penses qu'il ne fait pas pour toi, tu te retournes de bord, tu le jettes dans la poubelle, ça finit là. Toi, ton job, qui veut en faire une carrière ou qui veut apprendre, même si tu veux en faire par passion, tu prends le conseil et tu décides d'en faire ce que tu veux. Puis ça, cette personne-là qui m'avait donné ce conseil-là, ça a été le sultan, Rikishi. C'est moins de rien, là, c'est une famille de lutteurs, là, les autres. La famille est exploitée pour voir le WrestleMania 40 comme une des plus grandes familles de lutte, la plus grosse dynastie. Il y a eu les Funks, il y a eu les Von Erichs, t'as les Hearts, mais je veux dire, le Bloodline, là, de ce côté-là, les Reigns, tout ça, il y en a-tu sorti du talent là-bas? Moi, je pense que son conseil est valable pour tout le monde. Exact. Le monde, quand tu arrives pour leur donner des conseils, sont on n'a pas besoin de ça, moi je suis lutté, là, tu sais. Aujourd'hui, on ne prend plus le temps de vendre. On se demande pourquoi on ne réussit pas à grossir. Tu veux faire ça par passion, OK, pas de trouble. Tu ne veux pas le faire payer, pas de trouble. Mais au moins, va chercher un cours de lutte, là. Il y a du public qui vient et qui te paye, là. Tu veux-tu que ta salle reste à 50 personnes? Parce qu'on ne réussit pas à sortir du 50-75 personnes parce qu'il y a du monde qui vont venir et on a la base qui est là. La base de lutte est là. Mais si tu veux que cette personne-là amène un ami, qui amène un autre ami, il faut essayer d'augmenter la qualité du spectacle. C'est ça. Hey, on te remercie, mon Carl. Franchement, ça a été une expérience de te connaître. Yes, hey, ça fait déjà une heure qu'on est avec toi. Ça a passé super vite. Oui, c'est malade. C'est malade, mais il faut vraiment qu'on conclue ça. Puis, au pire, on s'en reparlera une autre fois. Ça vaudrait la peine, je pense,
d'investir encore plus puis de gratter encore plus. Je pense qu'il y a plein de belles choses qui pourraient sortir. Ben oui, j'ai Sabu aussi en plus, mes expériences avec Sabu, j'ai envie de partager. Il y a aussi, ton parcours comme champion à Stampede, il y a plein de choses là, tu sais, je voulais parler de Femme Fatale, la musique, ouais, le temps de parler, la musique, la Alf. C'est ça, il y a la Alf aussi que je voulais parler, il y a plein mais de choses, mais malheureusement, il faut vraiment que, genre, que je coupe, puis comme à l'habitude, dans le fond, mon partner Benoît, a.k.a. Nostradaberne, il prédit le futur de nos invités. Alors, vas-y, la parole est à toi, mon ami. Ben, j'ai vu quelque part que tu avais fait plusieurs séminaires avec des grosses vedettes. Ben, je te prédis un autre bon séminaire. Hey, ben, merci beaucoup. Mais comme vous avez pu voir, tu sais, je suis plus passionné en arrière-scène, transmettre. Ben oui, c'est je suis passionné par l'entraînement plus que d'être une vedette devant l'écran. Mais merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Ben, j'ai vraiment apprécié ça. Puis, excusez-moi. Quand je commence à parler, c'est d'arrêter. Mais que voulez-vous, c'est la passion. Ouais, c'est j'espère ça, c'est que le monde va comprendre un peu ce que j'ai le message que j'ai expliqué. C'est sûr qu'on va comprendre. Si vous avez la passion pour la lutte, n'hésitez pas. Karl Le Duc, une école de lutte, ça s'appelle la... Non, là, j'allais fermer par rapport qu'il y a eu des problèmes avec d'autres fédérations. On pourrait parler dans le négatif de la lutte, mais ça, c'est la politique en coulisses auquel je suis plus capable. J'ai décidé de prendre un break sur ça. Mais moi, je n'irai pas voir le monde qui veut les conseils. Mais si le monde veut avoir des conseils, ils sont bienvenus. Ils savent comment me retrouver sur mon Messenger, sur mon Facebook. Je pense que je suis facile d'accessible. Vous m'avez écrit, je vous ai répondu. Je vous ai demandé quand vous voulez faire ça. On fait ça aujourd'hui, pas de trouble, mais super. Bon, ben merci beaucoup. Donc, on était avec Karl Excel Le Duc de la famille des légendes de la lutte québécoise, de la famille Le Duc. Alors, vous et pour tous ceux qui me connaissent, puis ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Karl Excel, la grandeur qui fait mal, le terroriste de la lutte au Québec. Merci beaucoup.